je vais les corriger, comme ça on en a fini avec ces dénombrements. Alors, nombre de manières de distribuer les 36 cartes d'un jeu à 4 joueurs. Donc on distribue 9 cartes à chaque joueur. Et puis, si on part du principe qu'on distribue les 9, et puis ensuite 9, et puis ensuite 9, et ensuite 9. Pour le premier joueur, on distribue 9 cartes sur 36. Pour le deuxième, 9 cartes, et puis il n'en reste plus que 27. Pour le troisième, on a 9 cartes, et puis il n'en reste plus que 18. Et pour le quatrième, on n'a qu'une seule possibilité, puisqu'il ne nous reste plus que 9 cartes. Donc vous pouvez écrire ces 9-9, mais en fait, c'est égal à 1. Et ça fait... J'ai encore ce résultat quelque part. Celui-là qui donne 2,145, 10 puissance 19. Donc un très très grand nombre de possibilités. Ensuite, les deux cours à option. Donc pour le A, on choisit deux cours parmi 12. Donc on en a 66 à disposition. Et puis, parmi ces 66 possibilités, il y a un couple de cours qui va avoir lieu en même temps. Donc, on a 65 possibilités. Et puis pour celui-ci, donc le A, on doit désigner 7 personnes parmi 20. L'ordre ici n'a pas d'importance. Donc 77 520. Ensuite, maintenant, on nous dit qu'on a toujours 20 personnes. On désigne toujours 7 personnes parmi ces 20, mais on a 10 hommes et 10 femmes. Et on veut 3 femmes et 4 hommes. Donc on choisit 3 femmes parmi les 10 et 4 hommes parmi les 10. Alors, ça donne quoi? 10, 3, 25 200. Et puis pour le 2, on veut au moins un homme. Donc 1 ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, mais ça fait un petit peu long tout ça. On peut voir le problème autrement. On a ici la totalité des nombres, des groupes que l'on peut former, moins tous les groupes qui contiennent que des femmes. Donc ça, c'est tous les groupes possibles. Et ça, c'est les groupes qui ne contiennent que des femmes. C'est pas très, très joli, mais c'est pas grave. Pour une fois, des groupes avec que des femmes. C'est pas très joli. Non, ça me plaît pas. Groupe composé uniquement de femmes. Ah! C'est mieux comme ça, hein.